Affreuse journée à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau sur Machiavilain et on va reprendre notre Let's Play 3, qui est du coup le 4, mais vous comprenez le principe. Alors vous m'avez donné encore beaucoup de conseils que je vais essayer d'appliquer, pour certains, mais pas tous, mais quand même un peu. Alors, vous m'avez fait remarquer que je n'aime pas les couloirs, c'est vrai. J'ai peut-être un peu abusé au niveau du couloir. Ce serait bien d'en avoir un, ne serait-ce qu'au moins pour les chambres. Pour éviter que tout le monde passe par les mêmes endroits et finisse par se déranger les uns les autres, ce qui évidemment serait problématique. Alors, moins problématique que le fait de n'avoir rien à bouffer, bien évidemment. Et pourtant, j'ai plein de trucs là, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à bouffer? Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup d'eau, mais genre vraiment beaucoup. Par contre, au niveau du sang... Ouais. Ah bah si, pourtant, on a du sang aussi. Qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi le problème? Je ne sais pas c'est quoi le problème. Toujours est-il qu'il y a un problème. C'est pas ce bouton-là. On a deux lettres. Pour l'instant, on a 12 points. L'appareil à guérison, je crains qu'il ne faille encore des éléments avancés pour le faire. Donc c'est peut-être pas une meilleure idée, enfin la meilleure des idées, de faire ça en premier. Vous m'avez fait remarquer que ça pourrait être sympa d'avoir des armes démoniaques. J'avoue, ça peut effectivement être sympa. Donc j'ai peut-être plutôt plutôt aller du côté du matériel. Ça me semble peut-être un petit peu mieux. Cela dit, il a déco, quoi. Les décorations avancées, c'est bien aussi. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Une hache démoniaque, c'est toujours utile. Évidemment. Voilà. On a donc la hache démoniaque. Par contre, pour faire la hache démoniaque derrière, eh ben, on ne sait pas trop comment on fait. J'ai peut-être demandé, on m'avait dit aussi, peut-être un peu trop de bois. Peut-être. Parce que des planches de bois, pour l'instant j'en ai 30, il m'en faut 200. Donc en fait c'est des packs de 10. Donc en fait ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en demander... plutôt 27. Plutôt. Ici on va faire, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, on va faire un petit couloir, pas dégueu, en bois clair. Un petit couloir qui pour l'instant va être fermé. Par contre, il y a certains arbres qui m'emmerdent un peu. Et oui, il y a des trucs qui m'emmerdent en fait. Il y a des trucs qui m'emmerdent. Ça va être annulé. Ça va être démonté. Ça va être laissé. On va faire un couloir de 2 de large ici qui va couvrir toute la taille ici de notre manoir. Évidemment. Ça bosse encore ici, hein. Oui. Sauf que j'en veux plus que ça, moi. Alors, je n'ai évidemment pas la moindre idée de comment construire maintenant notre hache démoniaque, mais bon. Ouais, j'imagine qu'il va falloir ce genre de truc. Bon, pour les plumards, je ne peux rien avancer. Pour la machine de guérison, évidemment, il me faut plus que ça. Le mannequin d'entraînement, c'est pas le moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces serviteurs maléfiques veulent vous rejoindre, docteur Tiberius. Ah bon? C'est qui ces gens? Vous avez vu le prix? Un pneu? Un pneu avec des pouvoirs psychiques? Vraiment? Ah bah voilà, lui il est quand même pas très utile. Ah oui, c'est pas mal du tout ça. Mais bon, petit malin, donc faut faire attention. Mais globalement, c'est pas mal. Par contre... Non mais j'ai pas l'argent. Allons. C'est pas sérieux.
Voilà, je n'ai pas du tout, du tout l'argent, là. On va... Voilà, on a à manger, mais c'est pas non plus complètement fou encore. Hein. On fume, on fume. On m'a conseillé de le faire non-stop, tout simplement parce que... la végétation repousse. Donc voilà. Donc on le fait. C'est pas un souci, du coup. Ils ont pas envie de couper des trucs, hein, par contre, c'est pas trop leur priorité, il y a mieux à faire, manifestement. Donc lui oui. Qui c'est qui doit couper des trucs? Deluxe, mais évidemment, Deluxe ne fait rien. Eh ben alors, ta boîte Deluxe. Ah, c'est moi qui aurais oublié de lui donner des tâches, peut-être, hein, c'est ça que vous êtes en train d'insinuer. Attention, je ne supporterai pas la rébellion. Va, mon bon Deluxe. Mais commence par celui-là. D'abord. Bon, les planches de bois se font très lentement. Très lentement. Bon, c'est pas grave. La suspicion, quant à elle, ne redescend pas vraiment. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Maintenant, je préférerais que tu commences par... Ouais, tu sais quoi, mon cher Deluxe, tu vas surtout miner, en fait. Il faut vraiment que ça dégage. D'ailleurs, est-ce que je peux pas mettre quelqu'un d'autre dans le minage? Qui c'est qui est bon? Benji, t'arrêtes tout, tu vas miner. Allez, les zombies à la mine. Je suis un petit peu en galère avec mon café. Je me suis brûlé. C'est normal, c'est ma cafetière, la Dark Nespresso, qui a rempli mon café de... Comment? Mon café bouillant. Et à rabord, évidemment. Bref. Ça ne creuse pas assez vite. Ça n'écrit pas assez vite non plus. Ni belle. Depuis quand les momies ont-elles vraiment besoin de dormir? Dépêchons, qu'est-ce que tu fais, Nibel? Ah d'accord, donc tu vas chercher du bois jusque là-bas. Oui, on a vraiment des problèmes de... comment? On a des problèmes d'approvisionnement. Si vous regardez le chemin qui va se taper à chaque fois, là, oui, c'est vraiment pénible. Qu'est-ce que tu fais avec ce cerveau d'Akeras? Pourquoi tu te balades avec un cerveau qui n'est pas le tien? La carasse? La carasse range des cerveaux qui traînent à l'autre bout de la map. C'est toujours très étrange. On va en profiter peut-être pour demander à notre très cher Omishna de trouver des champignons comestibles pendant que c'est la nuit. Voir s'il peut se refaire une santé. Pendant la nuit. Parce que c'est quand même notre membre le plus blessé. Voilà, retourne vaquer à tes occupations, c'est parfait. Bon, nous, on va donc faire ici un couloir, un énorme couloir. Avec probablement plein de portes. Des chambres qui feront peut-être 3 sur 3 ou quelque chose comme ça. Ah, par contre, Benji, tu n'as plus rien à faire, Benji. Mon bon Benji. Mais tu ne fais absolument rien, mon cher Benji. Alors, normalement, on a envoyé les courriers pour les prochains débiles. Hop, donc 3. Comme ça.
sauce au merdeau. Coupez-moi ça, là, ça m'embête, ça. Merci beaucoup. Oui, bon, bah, effectivement, pour le parquet, c'est pas ouf. Qui c'est qui n'a pas de lit? Mais Deluxe, Deluxe n'a pas de lit. Mais c'est normal que Deluxe n'ait pas de lit, parce que à l'époque, j'ai pas fait assez de paillasse. Alors, mon bon Deluxe. Hop. Hop et hop. Ça, c'est dégueulasse. Enlevez-moi ça. Non. Ne m'enlevez pas ça, forcément. Si, quelque part, il faut enlever ça, là, par contre. Là, oui. Bon, ce ne sera pas symétrique, mais c'est pas grave. Après tout, tout ce qui n'est pas symétrique est maléfique. C'est bien connu. Je veux plus de lettres, en fait. Hein. C'est pas... Voilà. Voilà, donc je le veux. Et je le veux vite. Vite et bien. Comme il se doit. Mur en bois clair, non, je veux... Voilà, je veux ça. C'est quoi, ça? On va en mettre deux, ça va suffire, non? Tu fais quoi, Deluxe? Donc Deluxe qui était en nettoyage, en... ok. Mon rangement, c'est pas ouf. Construis Deluxe. Dakeras, allons. C'est pareil, tu n'es pas très très utile tel quel Dakeras. Hop là. Construis, mon ami, construis. Voilà, donc il faut ici faire une grande rangée de pioles de serviteurs. Je crois que c'est des belles pioles déjà, ça. Je trouve, moi. Ça suffit pour un serviteur digne de ce nom. Je pense, hein. Il y en a un qui est un peu... Bon, il y en a un qui est puni, hein, c'est pas grave. C'est à peu près ça, quoi. M'emmerdez pas. Tiens, toi, t'aurais du parquet foncé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Croque-mort, j'ai quelques cadavres bien à peine pourris. Acheter 5 cadavres légèrement pourris pour 60 pièces d'or. Acheter 10 cadavres. Non, mais 5 c'est bien déjà. Le croque-mort arrive. Ok, bah écoute, un grand merci à toi, cher ami. Au niveau de la recherche, du coup, la pioche du démon. Je sais pas comment on les fait, donc du coup, c'est pas très utile. La cuisinière, c'est pas le moment. Meuble avancé pour victime, c'est pas le moment. Presse d'imprimerie, c'est pas le moment. Ah, mais voilà, on va faire sur les murs, parfait. Research done. Excellent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on a recherché les trucs un petit peu classe. Il faut vraiment qu'on range ce coin, il y a plein de pognon par terre, ça veut absolument rien dire. Ah, les beaux tapis, magnifique, des jolis tapis. Oh, putain, ça coûte du pognon. On va faire un tapis rouge qui part comme ça, en fait, qui va comme ça et comme ça. Histoire de donner un petit peu un sens au trajet des... comment des... Pas des... Des victimes, hein, tout simplement. Alors par contre, le croque-mort devant la porte, comment ça va se passer quand les victimes vont arriver? Je sais pas si ils vont trouver ça super accueillant, du coup. J'ai peur que ça foute un peu la merde. Putain! Oui, oui, bien sûr que ça va foutre la merde. Il y a 10 cadavres ensanglantés devant la porte. Le timing. Bref, on va passer en mode, les gars, faut ranger ça, mais genre d'abord. Ouais, d'abord, ouais. Oui. Bon, bah, je pense qu'on va avoir un problème.
Vraiment. Vraiment, vraiment. On va passer en mode fight. Et on va demander à tout ce beau monde. Enfin, beau. Façon de parler. Hop. De se rendre ici. Victims are coming. Ah putain, mais c'est dégueulasse. Il y a des têtes et tout. Oh là 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 là. J'espère que c'est Halloween. Vraiment. Parce qu'on va avoir des vrais vrais problèmes sinon. Mais dépêchez-vous les zombies, vous êtes lents. Enfin, je sais que c'est quasiment à ça qu'on vous reconnaît, mais quand même. Si les victimes rentrent... Ouais, bah 15 de peur, 15 de peur. Ouais, tu m'étonnes. Oh putain, suspicion plus 5, suspicion plus 5. Oh, ah ouais, donc là, c'est le drame. Ils sont terrifiés, du coup. Ils ont appelé pour dire qu'il y avait des problèmes, en fait. Donc elle, on va voir si elle est très très contente. En attendant, on va se cacher. On peut se cacher. A vu du sang. Oh, bon, tu commences à m'emmerder, gamine. Voilà, hein, allez. On n'en parle plus. Bon, c'était une catastrophe. Ça c'est dit, ça c'est fait. On a passé un palier là-bas. Ça commence à taper dans l'orange, tellement c'est la merde. Bon, alors il me faut quoi? Donc il y a des gens qui cuisinent, il m'en faut plus qui cuisinent. Tu vas arrêter de piocher, tu vas cuisiner toi. Il me faut des gens qui rangent, et qui rangent bien. Ouais. Voilà. Suspicion plus 10, ouais, c'est le drame. C'est le vrai, vrai drame. Jess a un niveau. On lui avait mis de la force et tout. Transformer une victime en zombie inférieur. Attraper votre victime. L'immobilise pendant 20 secondes. J'aime bien le principe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est vraiment dégueulasse. Bref, oui, parce qu'évidemment, mettre des tapis, c'est bien, mais c'est pas la priorité s'il y a des cadavres devant la porte. Évidemment, d'autant plus quand il y en a 15, c'est problématique. Donc, le tapis rouge. Voilà. Voilà, le tapis rouge, ça me semble être une très bonne chose. Y a plus rien à bouffer? Foutez de moi, il y a des cadavres au large partout, les gars. Y a rien à bouffer. Ah, ça se fait. On manque de sang, en fait. On dirait. C'est un peu triste. Ori, est-ce qu'on peut sélectionner ce truc de merde ou c'est aussi le gameplay de l'enfer? Merci. Allez, hop. Mais y a quand même à bouffer là, déconnez pas. Des os, des cerveaux. Bon, il y a des fils d'araignée aussi. Bon, ça c'est pas évident, mais. Ah, on est remonté à 2 jours. Quelle bonne nouvelle. Donc ça ne sera plus la chambre après. Hein. Ça, on va le partager entre le laboratoire et la fabrique. Pour l'instant, il y a 4 pioles uniquement. Bon, c'est pas mal. Enfin, disons que ça pouvait être pire. Quoi.
Ouais, je vais peut-être ouvrir ici du coup. Mais j'apprécierais qu'il commençait par mettre les. Enfin qu'il commence par mettre les portes, parce que sinon Ori va cramer. Et ça c'est fâcheux. Ça avance ça. Ça avance mon cul, oui. Ah, vous êtes lent. Vous êtes méga lent. Vous êtes tous très lents. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh putain, mais il y a des cadavres partout. Mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi les cadavres ne sont pas enlevés? Parce qu'il y a qu'une seule, il y a une seule personne qui s'en occupe. Ça doit être à cause de ça, hein, je pense. Vraiment. Ramasser des recoules. Non, c'est pas ça. Ramener des ressources dans la zone, oui. Donc ça, ça passe comme ça. Vous voulez vraiment pas ranger? Genre en priorité quoi. Ouais, les trucs qu'on pourrit évidemment, ça c'est un peu triste. Donc on a pas de pénurie de cerveau, on a pas beaucoup de viande par contre, hein, malheureusement, malgré ce qu'on peut voir. Bon, les tapis, les gens ils se sont dit, vous savez quoi, finalement les tapis on va pas en mettre, hein, je pense que c'est ça, parce que je vois pas d'autre explication. Pourquoi c'est si long? Ah ok, une première zone a été fermée ici, parfait. Parfait. On a raté le courrier aujourd'hui malheureusement, parce qu'on avait que 9 lettres sur 10. Ouais, c'est un vrai souci. En fait, on met trop de temps à aller faire tout le tour pour aller... ouais, ça m'emmerde. Donc comme ça m'emmerde, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire en sorte que ça arrête de m'emmerder. J'attends que tout le monde ait fini de dormir, là. Et après, on va creuser un petit trou, ici. Oh, fuck, on va le faire maintenant. Tant pis pour Nibel. Non, c'est Dakiras qui dormait, bah il arrêtera de dormir. De toute façon, il a toute sa mort pour ça, c'est pas la peine d'en rajouter... Une porte simple. Voilà. Bon, pour la cuisine, ce serait bien de mettre des carreaux, mais est-ce que c'est pas vraiment... est-ce que c'est vraiment une priorité de mettre des carreaux? Je ne sais pas. Je ne pense pas en même temps. Ok, c'est en train de se faire ici. Tout va être fermé. C'est bien, bien cool. Sauf que ça nous permet pas d'aller plus vite de l'autre côté. Vous savez quoi? Au pire, on va mettre une autre porte ici, une porte de service, dans ces pioles là. Bar des longues dents. La nouvelle génération de vampires hipsters aime le sang brassé maison et les produits régionaux. Vendre au barman quelques marchandises pour ses clients vampires. Soudoyer le barman en lui offrant un verre de sang frais. Pas intéressé. Vous êtes bien gentils les gars, mais franchement... Tiens. Ce sera lui, là. Lui, il a déjà une piole pourrie. Et comme il a une piole pourrie, en plus, derrière... Bah, il y a une porte. Dans sa piole pourrie qui mène dehors. C'est comme ça. C'est injuste, hein. Mais c'est normal, on est méchant. Bon, on serait juste... Tout le monde se pose la question. Alors, recherche, on en est à 9. On va bientôt pouvoir faire quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi encore. On va voir. Ici, est-ce qu'on a terminé? Non, on a que 140 planches. C'est putain de long. Mais genre très 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 long, quoi. Très très. Ici, je pense qu'on peut commencer directement par faire les... 10 lettres suivantes. Qu'est-ce qui se passe là? Pièce non fermée. Bah ça vous dirait pas de la fermer? Non, évidemment, c'est le dernier truc que vous allez faire.
parce que vous êtes logique. Et ça fait toujours très plaisir que vous soyez logique, les gars. On va pouvoir passer une annonce, au fait, pour recruter quelqu'un de plus, et ça, c'est cool. Crypte. Place dans l'équipe, c'est fait. Augmenter le niveau. Offre d'emploi. Allez. On va essayer de recruter quelqu'un. Ce serait cool. Qu'est-ce que tu fais, Dakara? Ori. Quelqu'un voudrait-il faire vraiment cette porte? Genre vraiment? Pendant que Ori est en train de crever. Non. Je veux... Jess. Tiens, Jess. Construire cela d'abord. Ça me semble être une bonne idée, moi. Faut faire attention à ces vampires, ces petites bêtes sont tellement... Comment? Tellement... Mais non! Mais la porte! Abruti! La porte! Mon dieu, qu'ils sont cons! Construire la porte! Bon, les victimes arrivent. Enfin, de toute façon, on s'en fout maintenant, c'est la nuit, hein, vous me direz. Donc là, il va bien falloir attendre qu'il... merde, Deluxe est inactif. C'est un scandale. Pourquoi es-tu inactif, Deluxe? Va construire. Victims are coming. Dakara, sauve-toi de là, s'il te plaît. Bon, moi, j'espère que cette fois, il n'y a plus de cadavres. Non, non, les gars, non, non, les gars, attendez. Tous. Dans le bureau. Qu'est-ce que vous foutez? C'est quoi ce chemin de merde? Non! Ah oui, non, fini de construire ça, tant pis, Jess. Au pire, tu participeras pas à la fête. C'est pas grave. Vous, là, vous, ça vous dirait de bouger? Merci. Voilà, donc maintenant il faut attendre que les victimes passent leur coup de fil, disent que notre petit manoir est vraiment super bien, que... Ma, tu es tombé dans mon piège. Non, t'as pas vraiment eu le temps de... Oui, je sais, plus dit sans suspicion, mais c'est fâcheux. Deluxe, tu peux nettoyer ce sang, s'il te plaît. C'est dégueu. Merci. Deluxe. Il est parfait. Tu peux reprendre tes tâches habituelles, Deluxe. Voilà, donc eux, en fait, ils vont donc s'amuser. Elle, la petite Ashley, elle va lire un livre pendant que la petite Céline va regarder la télé. Probablement les... Peut-être les Teletubbies ou un truc comme ça, un truc tout mignon. Vous allez pas lire à côté? Pourquoi vous allez pas lire à côté? C'est vachement bien à côté, elle est à côté, sale gosse. Qu'est-ce que t'es... Deluxe! Ah, vu un serviteur maléfique. Putain. En même temps, c'est de ma faute, mais j'ai pensé qu'ils étaient compétents. Que voulez-vous? Ouais! Salut! Voilà. Bon, on a 25, ça va 25, c'est pas non plus la mort. Enfin, on a vu pire, non? Il me semble qu'on a vu pire. On a plus de sens, c'est une cata. Pas assez de ressources, ouais. On a vraiment pas de sang. C'est vraiment pas cool.
vraiment vraiment pas cool. La recherche, bah on continue, on refait. On fait 15 cette fois. Bon, les planches de bois, c'est pas ça encore, hein. Malheureusement. Je veux savoir ce que vous foutez. Même vous, vous le savez pas, je suis sûr. Donc ça, ce ne sera pas une chambre. Comment on va l'utiliser? Comment... Qu'est-ce qu'on va faire avec cette, cet endroit-là? Une cuisine? Une cuisine beaucoup plus grande, peut-être? Ou un dortoir pour les futurs employés? Déjà, pour créer de la compétition, on va faire en sorte ici qu'on ait les premiers employés qui aient leur propre piole. Et les autres, bah, les autres, ils attendront. Les autres, ce sera le dortoir commun. Pour l'instant, ce sera toujours un dortoir commun. Alors, on va aussi demander à virer ça parce que ça m'emmerde. J'apprécierais que tant qu'à faire, il y ait ces arbres dégueulasses qui dégagent aussi. Merci beaucoup. Les lettres, ça se passe comment ? Ça se passe pas vite les lettres, on dirait. Bon, après, on a que deux pièces à victime. C'est peut-être un petit peu pauvre. Faudrait voir à faire une troisième pièce, peut-être. Ah, on a des candidats à l'attente. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une petite ellipse. Tout simplement parce que je vais aller voir les gens qui ont proposé de rejoindre l'aventure. Mais oui, c'est important. Voilà, on se retrouve après une petite ellipse. Et... Eh bien, on va choisir un serviteur maléfique, hein. Ah, bah parfait, en plus, on a des gens tout à fait bien. Des... mangeurs de cerveau en tout genre. Naturel détendu, ouais, ça me fera pas de mal d'avoir quelqu'un qui est un peu détendu dans la team. Ah, facile à vivre aussi, ici. Chef 4 étoiles, chef 3 étoiles, oh, bah regardez-moi ça. Résistance au saignement. Un pompier. Parfait. Parfait, on va prendre lui. Et donc du coup, j'ai été tiré au sort également. Et ce sera le Techno-Mignon. Mais on va l'appeler Techno tout court. On va pas l'appeler Techno-Mignon. Techno, c'est bien. Bienvenue parmi nous, Techno. Alors, tu vas être en charge de... la bouffe. Mais genre vraiment. Vraiment, vraiment. Donc Nibel, il écrit des lettres, parce que c'est le seul qui est vraiment capable de le faire. 3 sur 4, oui. Éteindre le feu, si jamais il y a un feu, oui, je veux bien. Et quand tu sais pas quoi faire, et bah tu passes un coup de balai, parce que sinon c'est dégueulasse. Voilà. Nous avons donc un nouveau psychopathe qui rejoint l'aventure, plaît-il. Non mais je suis pas intéressé, je t'ai déjà dit, par tes conneries. C'est ouf ça. On va produire du sang fumé, des cerveaux fumés, et on est en déj de viande fumée. Mais non, on en a 145, vous déconnez? C'est 145 quoi ça? C'est de la bidoche fumée déjà? Ah oui, c'est déjà fumé! Ah bah voilà, bon, on s'inquiète. Qui c'est qui est pas content? Nibel est pas content, mais bon, c'est très courant que Nibel soit pas content. Alors, on va pouvoir commencer. Peut-être. Oh, c'est dégueulasse, c'est complètement dégueulasse. Est-ce qu'on n'a pas mieux que ça? La recherche, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir... meuble pour victime, non. Presse d'imprimerie, non. Ameublement démoniaque. Et prestigieux. Oui, ça c'est bien ça. Mais il me faut 20 points, on en a que 16. On va donc en commander 4 de plus. Ah bah c'est pas fini. Voilà,
ça, moi, ça va se faire. Et dès qu'on en a 20, en fait, on va ici mettre du vrai mobilier, des trucs un peu sympas. Parce que pour l'instant, faut avouer que c'est pas ouf. Par contre, j'apprécierais que les gens qui sont censés ici me faire des planches de bois, bah, fassent des planches de bois, par contre. Hein, parce que ça va vite me saouler, cette histoire. La fabrique, c'est qui? C'est Jess. Jess, tu passes ta fabrique en priorité, s'il te plaît. Oh, on a encore raté le courrier, bordel de merde. On n'est pas assez rapide, malheureusement. Bon, vous voyez la suspicion, au bout d'un moment, ça retombe. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'urgence. Qu'est-ce que tu fais, Techno? Ah bah, tu fais rien, Techno. Parce que t'as rien à construire. Alors attends, bah, je vais te donner un truc à construire. On va se faire une nouvelle petite pièce à victime, peut-être, ici. Ouais, on se fait une petite pièce à victime. Qu'est-ce qu'on va faire comme pièce? Je ne sais pas. Ça pourrait être sympa d'avoir peut-être plus d'activité là-dedans plutôt que de faire plus de pièces à victimes. Mais qu'est-ce qu'on a comme activité? On n'a pas grand-chose. Hein. On a une télé, on a des lampes. C'est pas ouf. Hein. Vraiment, vraiment pas ouf. Bon, ici, ça peut pas le faire. Salle d'entraînement, on n'en a rien à foutre. Téléphone. Pas vraiment. Mobilier, fumoir, ouais bof, bureau. On va peut-être mettre un second bureau plutôt ici. Ah merde, on peut pas. On va faire un truc comme ça là. Pour pouvoir eh ben, simplement écrire des lettres plus vite. Qui c'est qui va le faire à l'écriture de lettres? Ah c'est pas ouf hein, les gens qui sont disponibles pour écrire des lettres. Techno, on va faire ça comme ça. Tu construis pas ça, Techno? T'es pas censé construire des trucs? Ah, tu n'as pas la construction de trucs. Écoute, vas-y. Non, par contre, là, tu te fous de ma gueule, parce que là, techniquement, tu l'as, le truc. Hein. Construis-moi ça. Techno? Je sais pas ce qu'il faut. Quel est le fuck? Bon bah il a pas envie. Techno n'a pas envie de construire ce truc. Well. Tant pis. C'est pas si grave, après tout. Est-ce qu'on manque de bois? Non, il y en a partout du bois. Alors, on manque de quoi? De pépites, vous en êtes pas vrai. De métal, non, bon, on manque de rien. On manque de rien. Ouais, je comprends pas tout. C'est pas grave. Bon, j'avais l'habitude que les gens soient un peu cons. Et on dirait que là, ça commence vraiment carrément bien. Hein. Du bois, même couper du bois, tu le fais pas. Pourquoi vous êtes tous inactifs, les gars? Qu'est-ce que vous pourquoi? Alors, Nibel, déjà, t'es jamais inactif, il faut le savoir. Que quand t'as fini, il y en a encore. Voilà, et là, c'est pareil. Voilà, normalement, ils vont le faire, eux deux, là. Ils vont écrire des lettres en boucle. Ici, on a 18 points. Parfait. On va bientôt être à ce qu'il faut pour créer des vrais des vrais mobiliers. Ici, on a presque les planches nécessaires pour faire ici une fabrique de niveau supérieur. Ce serait bien sûr un vrai... Comment? Un vrai bonheur. Casser les trucs, oui, bon, bah, casser les trucs. Dakeras et Deluxe ne foutent rien. Dakeras. Parce que t'as rien à construire, t'as rien... Oui, bon, oui, ok. Je vois le genre. Bah écoute, plutôt que de rester inactif, tu vas faire une pièce. Qu'est-ce qu'on peut faire? La pierre taillée. Je suis pas sûr qu'on ait ça, là. On va mettre un petit chemin, là, tout le long. Là. C'est joli. Voilà. On va faire un peu de déco.
Un aquarium à Piranha. Zone de stockage de l'or. Dans le couloir, peut-être pas. On n'a pas vraiment de zone de stockage pour ce genre de truc. Ce serait sympa un jour qu'on fasse une crypte avec des zones de stockage, éventuellement. Métal. Ouais, c'est cher comme bordel, hein, quand même. 30 os. C'est très bien, ça. Une petite bougie. On peut mettre une petite bougie sur les tables ou pas? Je suis pas sûr que ça ait fonctionné. Ça ne fonctionne pas, évidemment. Évidemment. Puis là, t'as besoin de lumière, toi. Allez, hop. En avant. Deluxe. T'as rien à ranger, ni à balayer, ni à cuisiner. Donc forcément, du coup, tu fais pas grand-chose. Laisse tomber la cuisine. Va plutôt construire des trucs quand tu peux. Ah, 20. Parfait. On peut aller voir l'aménagement démoniaque. Table squelettique. Non, mais je voulais pas ça, moi. C'est pas ça que je veux. Fontaine en or. Chaise squelette. Je voulais des plumards. Une simple plumard. Jacuzzi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment on fait pour avoir un simple plumard? Permet de faire des potions pour soigner. Ouais, c'est bien ça. Mais c'est pas le propos, quoi. Tourelle squelette. Ah, on dirait que c'est là les trucs. Tourelle squelette stylée. Vous pouvez choisir le type de cible grâce à son système de reconnaissance faciale. C'est ouf ça. Et donc là, en fait, c'est pour avoir des tombes égyptiennes, des jolis lits. Un lit radioactif, mais c'est pas ça que je veux. Besoin de la recherche dans le laboratoire, 2 points, lit supérieur. Ah ok, bah très bien, bah allons-y. Research done. Bah, je suis super déçu. 20 points pour une tourelle squelettique. Comme si c'est ce qu'on voulait, une tourelle squelettique. Enfin bref, tant pis. Bah au moins c'est fait. Hein. Mais, continue donc de bosser. Je suis très déçu. Genre vraiment très très. Bon, on va attendre la dernière arrivée de victimes. Puis on va les mettre à mort, et puis voilà. On se contentera de ça pour aujourd'hui. Ce sera bien suffisant. De tour de guet dégueulasse ici là. On me l'a conseillé plusieurs fois, alors moi je suis pas chiant comme mec, je le fais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'on peut enfin faire ce truc? Alors on pourrait si on avait 1000 pierres. Malheureusement j'ai pas 1000 pierres. J'ai pas du tout 1000 pierres. Ouais, parce que tout le monde a mieux à faire. Benji, arrête. Non, c'est creuser qu'il te faut. Ouais, bah en fait, t'as raison. Arrête, tout est creuse, Benji. Jess.
faire pareil, on va lui dire de creuser à Jess. Ah, les victimes vont arriver dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Qui c'est qui est pas content? Dakira, c'est pas content, mais alors genre pas du tout, du tout content, quoi. C'est quoi ton problème? À faim? Genre, il y a 260 eau, pourquoi tu manges pas? Dakira, si t'es pas content, tu manges, et puis après ça va mieux, hein. Allez, tout le monde en position, mais pas par là, putain. Pas par là! Mais vous êtes con ou bien? Mais par la porte là! Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes trop con? À quel moment? Waouh! Ah, je suis impressionné! Genre vraiment? Mais non, juste voilà. Pour moi, c'est plus marre qui nous emmerde. Alors, bon, bref. T'as vu un piège? Oui, c'est le problème. Salut. Ouais, il est mort déjà. Donc eux, ils vont s'amuser, je pense. Quelqu'un qui aura un balai. Deluxe. Et Nibel, vous pouvez reprendre vos tâches. Ouais, ils sont divertis. Ils sont divertis, ils ont vu la télévision, ils sont contents. Est-ce qu'ils vont faire le... Voilà, ils vont échanger maintenant. Kika Deluxe, non. Coucher, Deluxe. Deluxe, non. Méchant Deluxe. Oh, faut dire que lui, il est pas bien plus fufute. Bref, arrêtez tout. Manifestement, faire plusieurs tâches à la fois vous rend trop con. Alors, c'est quoi le problème? Sommeil perturbé, sommeil interrompu. Orishna, il est fatigué. Hein. Va te coucher. C'est pas. Non, Orishna, putain. Il est légèrement blessé depuis longtemps. Va te coucher. Intéressé par vos conneries, on a vu ce que ça donnait. Voilà, donc là normalement eux, ils sont super contents, ils se disent ouais c'était super. Ouais, c'était super. Mais genre vraiment super. Ah. Vraiment. Est-ce que quand il aura fini, lui, il va rappeler des gens? Non. Mon Dieu! Ah. Voilà. Allez, reprenez vos tâches. Même si la plupart du temps, c'est vous, les tâches. On va s'arrêter ici, je pense, pour cet épisode. Bah, le manoir a bien grandi, je vous ai fait le couloir que tout le monde souhaitait, même s'il y a des champignons au milieu de mon couloir. Parce qu'ils ont réussi à le replanter par-dessus le parquet. Ce qui demande un certain niveau quand même de préparation. On va bientôt avoir donc la fabrique niveau supérieur. Et puis, normalement, on est dans une espèce de routine assez efficace, je pense. On n'est pas trop mal. Voilà. Allez, on arrête là. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.